Bilan moral, bilan financier et bilan de la saison sportive 2012-2013. Tels sont les points à l'ordre du jour qui ont meublé l'Assemblée Générale Ordinaire du FC 105 ce dimanche à Libreville en présence des amoureux du ballon rond et des membres du bureau exécutif qui, eux, visent plusieurs objectifs. Le seul objectif pour le FC 105 aujourd'hui, c'est regagner l'élite. Regagner, rejoindre un championnat d'élite, c'est l'un de nos principaux objectifs de la saison qui vient de s'écouler. Vous avez vu comment nous avons pratiquement survolé tout le championnat, tout le tournoi. C'est sur une erreur juridique, c'est-à-dire nous perdons un match par pénalité qui fait en sorte que nous ne puissions pas jouer les demi-finales et voir la finale du tournoi de la montée. S'inscrivant dans la même logique, le président fondateur en appelle au sens de la responsabilité de tout un chacun à tous les niveaux. J'ai fait ce qui était de mon devoir pour avoir mis à la disposition de l'ensemble de la jeunesse du Gabon, et c'est du FC 5 en particulier, un cadre de travail qui mérite d'être cité en exemple. Je ne sais pas si un autre club dont le président fondateur met à sa disposition des villas en location et toucher les loyers. Je ne sais pas si ça existe, mais ça signifie quoi? Ça signifie que j'aime le football. Ça signifie que je contribue à la politique du football national. Idriss Gari, président fondateur du Canon FC 105, compte sur la nouvelle équipe dirigeante pour mener le club de football gabonais à bon port. Aussi, reste-t-il déterminé à retrouver le championnat professionnel de la Ligue nationale. Apprécié par les touristes, le Cap Esterias est une ville située à une vingtaine de kilomètres au nord de Libreville. Une commune dont les responsables appellent de leurs vœux son développement. Notre commune est en train de se développer. C'est le souhait du chef de l'État, développer et émerger. Notre ville va être une belle ville d'ici très peu de temps. Nous devons nous réjouir des travaux qui se réalisent maintenant. La ville du Cap va avoir un nouveau visage et c'est cela l'émergence. Voilà une situation qui, pour le représentant de la mairie, exige que les chantiers en cours dans cette ville aillent jusqu'à leur terme. Pour la route, c'était un réaménagement. Et pour les voiries, nous avons déjà les voiries qui commencent. Ça ne va s'arrêter nulle part, c'est pour toute la ville. L'électricité, nous avions déjà l'électricité dans toute la ville. Le réseau d'eau va se faire. Je pense que c'est des bonnes choses. C'est le développement qui commence au Cap. Vivement la belle ville. Pour le secrétaire général de la mairie du Cap Esterias, le développement de la commune sera un atout non seulement pour ses populations, mais aussi pour la commune qui pourrait devenir dans les prochaines années une des attractions touristiques les plus prisées du Gabon. Situé près de la ville de Cocobiche au Gabon, le village des pêcheurs est une colonie d'environ 150 habitants. Essentiellement peuplé des Nigérians et des Béninois, cet endroit au décor rural se veut avant tout un cadre paisible, comme l'atteste ici son premier responsable. Depuis que je suis ici à Cocobiche, ça me fait déjà 15 ans que je suis ici à Cocobiche. Avec le tonton de Cocobiche, ça passe bien. On vit en famille. Malgré la grande place qu'occupe la pêche au sein de ce village, l'importance de l'instruction des enfants reste toujours au centre des préoccupations. Comme ici, il y a toi, il y a des écoles, école publique et puis école catholique. Donc les enfants, il y a les autres qui parlent à l'école publique, il y a les autres qui parlent à l'école catholique. Même son de cloche pour l'éducation religieuse. On a une église réveillée ici, là. Ça se passe bien. Donc, parce que je me suis arrivé ici, dans ce quartier-là, donc il n'y a pas l'église. Et moi, nous, on part à notre côté là-bas, parce qu'il y a une campement nigérien là-bas, ça va que nous, on part pour aller faire l'église. Mais c'est arrivé à quelques moments, Dieu m'a dit que non. Et là, on est nombreux ici avec les enfants là. C'est pas bon que tous les dimanches, on va aller loin là-bas pour aller faire l'église. Il faut que nous aussi, on trouve notre église. Dieu a sollicité une église. Maintenant, on est notre église personnellement ici là. C'est donc un mode de vie rural à la lisière du monde moderne que ces modestes familles de pêcheurs ont décidé d'adopter. Un style de vie semblable à celui de la ville. Nous sommes à Ovendo, une commune voisine à celle de Libreville. Commune dans laquelle se situe l'école sportive d'Ovendo. Une école qui se veut la pépinière du football gabonais en général et celle du FC 105 en particulier. Nous sommes le seul établissement qui fonctionne avec les deux volets. Nous avons ici le volet études. Les enfants peuvent venir chez nous
apprendre de la sixième jusqu'en première. Pour le moment, nous nous arrêtons au niveau de première. L'année prochaine, certainement, nous arriverons au niveau de la terminale. Le deuxième objectif, c'est qu'on s'est aperçu que beaucoup de nos enfants aiment le foot. Mais aimer le foot ne signifie pas savoir jouer au foot. Donc nous les acceptons ici. Ils commencent le cours à 8h jusqu'à 13h30. L'après-midi, ils sont pris en charge par des encadreurs, des entraîneurs qui sont qualifiés. Le proviseur de cet établissement donne ici quelques critères pour y accéder. Il y a deux voies de recrutement. Il y a d'abord la détection. On fait venir tout le monde, on appelle tout le monde par des affiches. Ils arrivent, ils sont sur le terrain, les entraîneurs les observent et on retient ceux que nous considérons comme étant de bons élèves ou alors de bons candidats. Ça, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est que ceux qui viennent chez nous et pour apprendre, c'est-à-dire faire les études, sont automatiquement, si vous voulez, membres de le centre de formation. À l'image du FC Barcelone et bien d'autres clubs européens, le président fondateur de cette école, Idriss Ngari, a l'ambition de faire de cet univers un vivier des élites du football gabonais partant de toute l'Afrique.